Salut les amis, c'est Monsieur Lourd, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau petit jeu et le découvrir, ça s'appelle Feudal Alloy, les amis, c'est un RPG action de type Metroidvania, c'est un jeu qui a été développé par Atsu Games et qui est aussi édité par le même studio. Je tiens d'ailleurs à les remercier de m'avoir filé une clé de bêta-testeur pour tester leur jeu. Le jeu sera disponible courant 3e trimestre 2018, c'est-à-dire entre juillet et septembre, pour ceux qui voudront l'acquérir sur Steam. C'est un jeu en 2D de type médiéval, avec des chevaliers à tête d'aquarium. Et oui, vous le voyez, on a une tête d'aquarium avec un poisson rouge à l'intérieur, ça va être génial. On va découvrir tout de suite cela. Voilà, j'ai fait un petit retour Windows pour régler le son, parce qu'apparemment, il n'y a pas, dans cette version bêta, il n'y a pas d'option. Du coup, je peux pas baisser le son et le son est extrêmement fort. On va tout de suite lancer une new game. On va découvrir comment on peut jouer à la manette apparemment. Donc je vais mettre la manette au hasard. Hop. Oui, la manette est prise en compte. Impeccable. Donc, graphiquement, c'est pas dégueulasse. C'est pas non plus super sophistiqué. Mais c'est pas dégueulasse, je trouve. Ça reste de la 2D, les amis. Normalement, le jeu est disponible en français. Pas dans cette version bêta, mais il sera disponible en français. Donc, si vous voulez l'acquérir, à ce moment-là, il n'y aura pas de soucis, ne vous inquiétez pas. À moins qu'on puisse le mettre en français. Non, on a aucune option. On n'a aucune option pour l'instant dans le jeu. Voilà. Donc, sachez que le jeu sera disponible en français à sa sortie. Hein, donc, vous inquiétez pas là-dessus. Bon, malheureusement, pour la démo, pas du tout. Mais on va faire avec... démolir ça. Donc ça c'est pour donner des coups, ça c'est pour parer, ça c'est pour sauter. Les gâchettes ne semblent pas servir pour l'instant. Ok, on s'accroupit comme ça. Ok, overheat running, your body temperature go too high and we need well to... Ah d'accord, le Y sert à faire descendre notre température. Ok. Ok. Ça, ok. Found some oil. Oil is actually very important. D'accord. Donc en fait, l'huile sert à régénérer notre vie. L'huile sert à régénérer notre vie. Donc c'est notre niveau d'huile. Le niveau d'huile, c'est notre niveau de... notre niveau de santé, quoi. Ah, on peut descendre. Ok, d'accord. Hold block Y to close this. Ok. Okay. Pour l'instant, c'est pas dégueulasse, hein. Le gameplay a l'air basique. Bon, les musiques un peu chiantes peut-être à la longue.
Surtout qu'elles sont extrêmement fortes et que on n'a pas de mode option pour pouvoir régler ça. Ouh, il m'a cramé la gueule. Ouh, ah bah il m'a tué. Impeccable. Ok. Ah d'accord, ça sert de reset, de sauvegarde. De checkpoint en fait. Ok. Ah putain, j'ai une surchauffe. Ok. Et du coup, faut faire retomber notre température. Très bien. Très très bien, ok. Donc on a une espèce de, voilà, de jauge. À force de taper, on a une petite jauge qui nous empêche de continuer d'attaquer. Ok. Voilà, c'est quand même plus simple. Phantom calling liquid, ok, d'accord. Ah! Ok! Il nous a défoncé. Ah putain, faut qu'on reprenne d'ici par contre! Oh la loose! C'est la loose. Open your skill tree and select a new... Ah d'accord. Là c'est notre inventaire. On n'a pas trop le choix, on doit prendre celui-ci quoi. On n'a pas le choix, on a qu'un arbre de talent qui est débloqué pour l'instant, mais vous voyez qu'il y en a 3 arbres de disponibles. Donc là on vient de débloquer tout simplement... Parade et mêlée énergie. You learn the ability to parade incoming attack by blocking and energy added to energy shield. Ok. You can toggle the color of the power to melee attack by pressing the switch button. Ah, je crois... bah non, parce qu'il bouge pas. Il ne bouge pas. Comment je suis censé passer? Putain, c'est pas possible ça. Comment est-ce que je suis censé passer? Merde, j'ai oublié de sauter. Allez, tête d'aquarium là.
Ok, je viens de comprendre comment utiliser les ustensiles, d'accord? Ok, seul problème là, c'est que je comprends pas comment passer en fait. Peut-être qu'en passant avec de la mêlée, peut-être. Là, je comprends pas trop, hein. On va pas non plus chercher 107 millions d'années. Ça sera la difficulté de l'épisode. Merde. Il reste pas à côté, espèce de crétin que ça. Hop, on se remet un petit peu de vie. Non, ça passe pas. Franchement, là, je vois pas. Là. Franchement, je vois pas comment passer. Là, pour moi, c'est... C'est l'incompréhension totale. C'est l'incompréhension totale. Merde. Ah! Alors là, Well. Là, je vous avoue que je... Là, je vous avoue que je comprends pas tout. Thank you.
Ouais. Oh putain, on peut descendre. Ah. Ok, bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce petit test, quoique j'ai envie de lui défoncer sa gueule. S'arrêter là. Alors ce jeu va l'air sympathique, je pense pas que je vais continuer d'y jouer moi personnellement parce que c'est pas trop mon style, mais pour ceux qui aiment le genre, ça peut être rigolo. Il y a l'air d'y avoir quand même assez de difficultés. Je pense que le jeu sera étoffé d'ici sa sortie, hein, bien sûr. Vous avez vu qu'il y a des accès qui sont un peu bloqués pour l'instant, mais qui vont sûrement être débloqués au fur et à mesure. Ah d'accord, là on a fait bouger l'autre en fait. Celui qui bougeait pas tout à l'heure, maintenant il bouge. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est voilà, faire un petit checkpoint. Faire un petit checkpoint, ça me paraît pas mal. Reprendre de la vie, ça me paraît pas mal aussi. C'est fermé. Oh putain. Qu'est-ce que je suis mauvais. Mais qu'est-ce que je suis mauvais. Ah, lui, il m'en veut personnellement, apparemment. Ah putain, j'ai pas repris de vie, mais quel con. Ah mais je vous jure, des fois je me déteste. Merde, c'est pas ça que je voulais prendre. Ah mais oh. Donc ouais, la musique par contre ne change pas souvent, du coup ça devient vite relou. Elle est rigolote, mais à petite dose, c'est mieux. Bon, on va arrêter le massacre ici, les enfants. On va s'arrêter là. Je suis nul. Je suis complètement nul. Alors, je vous rappelle que ce jeu, donc, c'est Feodal Alloy. Pour ceux qui aimeraient le tester, il sera disponible courant 3e trimestre de 2018 sur Steam. Je n'ai absolument pas le prix. Je remercie A2Games quand même de m'avoir filé une clé bêta pour pouvoir le tester. Merci à eux. Vous pouvez laisser des commentaires pour leur retour sur la vidéo si vous avez envie. Voilà. J'espère quand même que ce petit test vous aura plu. On jouait un chevalier quand même avec une tête d'aquarium, hein, ça n'a pas de prix. Le jeu sera sûrement étoffé d'ici sa sortie, je l'espère en tout cas, parce qu'on a vu quand même qu'il y a des trucs qui étaient bloqués pour l'instant, donc je pense que ça va être développé au fur et à mesure. En tout cas, c'était bien sympa. Il y a l'air d'y avoir un système de stuff, hein. Vous voyez qu'on a sur notre personnage, on a du stuff, je pense qu'on pourra peut-être le changer aussi au fur et à mesure des quêtes.
C'est un action RPG hein, pour ceux qui chercheraient. C'est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne sur le long terme et une fois définitivement développé. Pourquoi pas. L'idée est sympathique en tout cas. Merci à eux de m'avoir filé une clé. Merci à vous d'être présent sur ma chaîne pour me permettre de pouvoir tester ce genre de jeu. Merci à vous. En tout cas, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour dans la description pour toutes les informations disponibles. Et moi, je vous dis rendez-vous dans pas très longtemps pour de nouvelles vidéos. Salut, bye bye.